Bonjour, bonjour, bonjour YouTube. J'ai fait le test de son, je ne sais plus. Oui, c'est bon, j'ai fait le test de son, je m'en souviens. Je comptais pas stream, mais au final, je vais stream quand même un petit peu. Je sais pas si ça va durer longtemps, peut-être 2 heures, je pense. On venait de sauver Jack. Alors par contre, là, j'ai un problème. C'est que mes volets sont ouverts, du coup, je vois pas ma télé. Ça peut être problématique. On venait de sauver Jack, on a fait la mission de Kasumi qui était trop bien. Et on va, bah écoutez, pour l'instant on va faire un peu de bonding avec les amis du Normandie. Donc déjà je voulais voir les améliorations du vaisseau. Canon Tanix. Je peux l'acheter, il coûte 15 000. Ok. On verra. Là, il faut de l'élément. Non, il faut aussi du platine pour les améliorations normales. Donc, par exemple, les améliorations d'armes. Il faut de l'iridium. Il faut en fait tout. Ok. En fait, je pensais que. Dans ma tête, je pensais que, par exemple, les améliorations d'armes, il fallait de l'iridium. Pour les armures, il fallait genre du platine. Pour le vaisseau, il fallait de l'élément zéro, etc. Mais ça ne marche pas comme ça. Donc, très bien. Les armures, au final, on s'en fout parce que je les trouve moches. Voilà, désolé. Fusil d'assaut récolteur, je trouve ça un peu osef. Ça peut être sympa. Dégâts de pouvoir tech plus 20% pour Mordine. 3 000 et j'en ai 9 000. Ah. Fusil à pompe écorcheur. Un nouveau fusil à pompe, ça peut être pas mal. Pour moi, notamment. Je vais l'acheter, vas-y, hop. Ce sera le test. Module d'intrusion, c'est quoi ça? Ah oui, d'accord, oui. C'est ce que j'ai. C'est pour doubler les mini-jeux. Canon Tanix, bon, 15 000. On va attendre un peu de voir le reste. Technologie de dégâts. Ok, ça on prend parce que c'est important. Technologie de dégâts. Technologie 1000, vas-y. Hop. Armure. Technologie de durée. Durée de tous les pouvoirs tech de 20%. Ça peut être pas mal. Capacité à Medigel. Ça, c'est très important. On prend. Armure. Capacité à Medigel. 5 000. Et j'en ai 23 000. On prend. Ok. Bon. Ça, c'est fait. Alors, Mordine. Mordin, Mordine. Bonjour. Shepard, how can I help? Are there any medical concerns I should be aware of on the team? Cerberus personnel in excellent condition. No squad concerns to report. Always some matters, but nothing affecting immediate mission. Okay. Have you got a minute to talk? Yes, we'd like that actually. Talked about work earlier. Time with special tasks group studying genophage. Yeah, wasn't entirely ouais. Honest. Lie of omission. Also, other kinds need to clear the air. Mission too important to keep secrets. Work on genophage was more than just study. Uh-oh. What was the special tasks group doing with the Krogan genophage? Study at first, as I said, but uncovered surprising data. Krogan population was increasing at faster rate than expected. Krogan were adapting to genophage, overcoming disease. C'est une grave menace, bonne nouvelle. Comment est-ce arrivé? Did the Krogan evolve, or did some of their scientists develop a treatment? Krogan scientists? Never met Krogan scientist worthy of term. No. Natural evolution. Krogan physiology incredibly durable. Organ redundancy, backup systems, cellular regeneration. Genophage like any other natural hazard. Krogan evolved past it. Ok. Bah, c'est bien. Enfin, oui, si, c'est bien. Enfin, ouais. The genophage was a terrible mistake. It nearly destroyed the Krogan and their culture. Now they have a chance to recover. Naive viewpoint. Krogan too dangerous to allow unchecked birth rate. Look at Krogan rebellions. Personally led a science team. Geneticists, chemists, sociologists, mathematicians. Created new version of genophage. Released it on Tuchanka, other Krogan-centric areas. Restabilized Krogan population. How did you distribute the modified genophage? Covert drops, hospitals, clan centers, water supplies. Very difficult. Few Solarians on Tuchanka. Team got caught a few times. Had to fight free. Messy.
better when things went as planned. Oui, bah c'est un peu le but. How did your genophage modification work? Krogan evolution attached garbage genetic code to genophage attack sites. Modification created other areas for garbage code to connect, left sites clean, capable, running smoothly. Ok. You never considered other options? Hundreds, thousands. Modified genophage offered best outcome. Stabilized population, avoided publicity that could incite Krogan anger, averted potential genocide or devastating war. Best solution for whole galaxy, Krogan included. Ah, c'est dur là, enfin, c'est dur. Pourquoi des demi-mesures? J'aurais pas dit ça comme ça, mais ouais. Je voulais rester neutre. I doubt you told many people about this, Morgan. I appreciate you letting me know. Wanted you to know I'm willing to do what's necessary. Should get back to work. Talk more later. Next time, tissue synthesis has to compile. Good for free time. Ok. Du coup, on peut passer par là maintenant. Ouais. Alors. Est-ce que j'ai des mails, Kelly? Aucun nouveau message. Très bien. Alors, on va aller parler aux autres. Ils sont en bas. Quartier de l'équipage. Oula. Là-bas, il y a personne. Là-bas, c'est des toilettes pour femmes. Toujours personne. Ici. Toujours eux deux qui parlent. Ah bah, ils parlent plus. C'est pour la blague. The women's restroom is on the starboard side of the ship. Hey, got a minute? Oui. I usually travel hidden away in cargo bays. It's nice to be able to look out a window for a change. Mess Sergeant Gardner might just be an evil genius. Emphasis on the evil. The food's gotten better lately, though. I guess his reputation will take time to heal. Il n'y a rien qui s'ajoute du coup par rapport à elle. J'ai pas l'impression. Hein? J'entends des bruits de combat. What the fuck? J'entends quelqu'un jouer à un jeu vidéo. What the fuck? C'est là, on dirait. Ok. Miranda. Qui s'engueule avec Jack, du coup. Commander, what can I do for you? Do you have a minute, Miranda? There's a lot to do, Shepard. Maybe another time. I'll let you work. Of course, Commander. T'as jamais du temps pour parler, toi. Rupert, there's something different with tonight's meal. Seems like you put in more food and less ass. Yeah, yeah, keep talking. Ça me rappelle une interaction que j'ai créée dans ma fic RDR2. Sauf que la phrase est plutôt... on dirait que tu as mis vraiment de la bouffe dans la bouffe et pas juste de la boue. Ou un truc comme ça. Garrus. Shepard, need me for something? Have you got a minute? Can it wait for a bit? I'm in the middle of some calibration. Okay. Talk to you later, Garrus. I'll be here if you need me. Je pense qu'il y aura que Jack qui voudra nous parler. Et lui, là, il nous parle plus. How can I help you, Commander? Do you have everything you need? Absolutely. Since you set my kitchen with proper supplies, thanks again. Attendez. 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 Ok.
Ok. Au revoir. Back to work. Pardon, j'ai reçu un message assez étrange. je ne vais pas révéler. Ok. Ici, il y a peut-être Jack tout en bas, il me semble. Cargaison tribord. Ah, c'est là où il y a Zaïd. Bon, Zaïd, il a pas de trucs à nous raconter. Back for another lesson. Non, non, t'es bon, t'inquiète. Ok. Ici, c'est l'ascenseur. Ici, c'est les escaliers. Ah oui, E2. Did you know we've got a crazy woman squatting down in the sub deck? What? If she touches anything, I'll kill her. Oh, and the only thing she wears from her waist up is tattoos. Oh, maybe I should go down and welcome her aboard. C'est trop chiant. Has biotic powers that could crush you with a blink. Hates everyone in Cerberus. Damn it, girl. Stop toying with me. Stop toying with me. Ça, ce sera la place à Tali, c'est sûr et certain. Est-ce que j'ai sauvegardé d'ailleurs récemment? Je ne me souviens plus. Non. Enfin, après, il y a la sauvegarde auto, mais... Faut que je prenne l'habitude de sauvegarder. De sauvegarder, tout simplement. Ta-la-ti-ta-ti-ta. Ah, je pensais qu'elle serait assise sur la civière. Bonjour. J'ai vu beaucoup de fanart de toi. Hey. What do you think of Miranda and Jacob? Jacob doesn't know who he is, but that's not my problem. Miranda's a Cerberus bitch. Knew that before she opened her mouth. What do you think of our mission? I don't care. I'm out to survive it, then cut loose. Amélioration. Picked up a lot of resources. Can you use them to help against the collectors? I ran across the schematics for making L5X implants. Still got them in my head. You want to know what I need? Not usually my thing, but I've learned how to get things done on my own. Ok. Module trauma. Oh! Ah, c'est bien ça. Ça coûte cher, mais c'est bien. Soigne votre commando jusqu'à la pleine santé. Une interface de premier secours standard est capable de stabiliser un soldat grièvement blessé et de prévenir la mort du patient, sauf dans le cas de blessures plus graves. Est-ce inefficace sur les soldats conscients et en situation de combat actif? Ah ok, oui, c'est pour les... Ok. C'est quand je réanime quelqu'un, il a toute sa vie, quoi. Technologie durée. Ok, oui, pour le reste, j'ai vu. Et les prototypes. Let me know if you want me to make those implants. Okay. Tell me about you, Jack. I'm still finding out about me. Thanks for letting me look at these files. Autant que ça serve. If they're helping you, that's good enough for me. Don't be my buddy. You need me to kill for you, I need you for these files. Let's leave it there. Your friends at Cerberus are into some nasty things. I'm gonna find something I can use. I just know it. What if the answers aren't what you expect? I'm not looking for answers. I'm looking for names, dates, places. Uh-huh. What happens when you find what you're looking for? I go hunting. Anyone who's screwed with me pays. Their associates pay. Their friends pay. The galaxy's gonna be a lot emptier when I'm done. On va pas s'embrouiller avec elle dès le début, hein. Après, ouais, c'est vrai que nous, on essaie de faire quelqu'un qui essaie de tuer le moins possible. What's your history with Cerberus? They raised me in a research facility. I escaped when I was a kid. Been on the run ever since, and they've been chasing me ever since. But soon, I'm gonna chase them. You think about this a lot, don't you? I go to sleep with this. I wake up with it. Everyone I kill, I pretend it's the ones that did this to me. Et stylé le plan. You don't have to live in this pit, you know. It's dark, quiet, and hard to find.
That spells safety to me. You know, okay, Spider-Man. This ship is a powerhouse. You could go pirate, live like a queen. I could help. We have to stop the collectors. I don't have time for piracy. When this is done, we'll either be dead or out here in space with this ship. Think about it. Lots of creds. Freedom to go wherever you want. And all the mayhem and fighting I could want. What is it about killing that fascinates you so much? I figure every time someone dies and it's not me, my chances of survival go up. Simple. Hmm. I should go. Yep. Ok. Elle est cool, Jack. Elle est cool. Un peu, ouais. Un peu crazy in the head, mais... Elle a dû vivre des trucs pas ouf aussi, donc... On peut se comprendre. Alors, passerelle. Qu'allons-nous faire maintenant? Très bonne question, ça. Journal. On a Zaïd à faire, le prix de la revanche, la mission de loyauté. Ok, arrêter les récolteurs, ok. Le seigneur de guerre. Expérience stratégique et militaire de plusieurs milliers d'années. Connaissance supposée de la technologie des récolteurs. Seigneur de guerre Krogan, à la fois brutal et brillant, vétéran de la rébellion Krogan, Docteur Okir est déterminé à sauver coûte que coûte le peuple Krogan du génophage et est même soupçonné d'être déjà entré en contact avec les récolteurs pour acquérir la technologie. Ok. La technologie nécessaire à ses projets. Okir se trouve actuellement dans un camp du Soleil Bleu, sur Corlus. La nature de ses relations avec le groupe mercenaire reste toutefois inconnue. Ok. Et en mission secondaire, on a quoi? Ah putain, non, c'est le docteur Okir qui est un Krogan qu'on va recruter. D'accord, je pensais que c'était Vrex. J'étais persuadé que ça allait être Vrex, parce que... Enfin... Ouais, je pensais que c'était Vrex. J'avais mal lu le truc la première fois. N7. Un dépôt de contrebande d'éclipse a été découvert sur la planète d'Aratar. Système Faria, nébuleuse du sablier. Cerberus paierait un bon prix pour ce qu'on pourrait y trouver, ok? Un agent de Cerberus disparu en mission serait détenu dans une base d'éclipse sur la planète Lorek. Il est en possession de données sensibles qui, si elles tombaient aux mauvaises mains, pourraient porter préjudice, ok? Une station Cerberus de la planète Haïté, Typhoon, Amas de Phénix, ne répond plus. L'homme, trouble, vous a demandé d'enquêter sur la situation, ok? Épave du Rosalie. Le projet Fakir de Cerberus apporte la disparition d'un vaisseau scientifique à proximité de la planète Zerona. À son bord se trouvaient des chercheurs ainsi qu'un prototype de véhicule d'exploration. Oh! Ah! Oh! Oui, c'est bien ça. Et ça, c'est le crash du Normandie, mais on fera plus tard. Ok, moi, ce que j'aimerais bien qu'on fasse rapidement, c'est. Alors, pas le tout lire. Mais. Vaisseau et véhicule. Non, non. Technologie, non, 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 non. Planète et lieu. Non. Organisation, voilà. Les mercenaires berserker. Non. Cerberus. C'est vrai qu'on n'a pas lu des trucs sur Cerberus. On va se remettre un peu en tête tout ce qu'on sait sur Cerberus. Ah oui, mais il y a le monsieur qui parle là. Ah non, mais j'aime pas quand il parle. Au sortir de la guerre du premier contact, les pamphlets anonymes apparus. Un pamphlet anonyme apparu sur l'extranet. Donc c'est Internet, oui. Indiquant qu'une tentative de génocide humain devait inévitablement arriver. Un pamphlet exhortait à lever une armée panhumaine. Pan-humaine, qui jouerait les Cerbères devant le relais Charon. J'ai la flemme de lire en fait. À votre. D'expert des contrôles. Collectif. Dissimule des. Ok. Et l'homme trouble. Et c'est qui l'homme trouble du coup? Le maniaque recul se faisant appeler homme trouble est un nationaliste humain qui se consacre aux intérêts de son espèce.
The Citadel Council regards l'Empire Trouble. Ok. Relation non. Spectre, ok. Butarien, Elcor, c'est eux. Get, ok, on connaît les Get. Anari. Ah oui, c'est eux là, c'est les, celui qui faisait une. De la pub pour sa religion l'autre fois là, dans le 1. Les Krogan, c'est Vrex. Les Moissonneurs, ouais. Les Cariens, c'est Tali. Les Récolteurs, ok. Les Volus, c'est les petits robots là. Et les Vorchas, c'est les gnomes là, on dirait. Race disparue, les Protéens. Ouais. Race concilienne, donc il y a les Assarés, les Galariens. Et les Turiens. Ok. Moi, ce que je voulais savoir, c'est. Les sables bleus là, les. Ouais, il y a trop de trucs là. Ouais, frère. C'est quoi tout ce lore là? Et c'est qu'un onglet. Projet planète et lieu. Ilos, Vermir. Oh, Vermir? Pourquoi il parle de Vermir? L'As des voleurs, les secrets de Kasumi, extraterrestres. Non. Ok, bon, je sais pas. Moi, je voulais voir un peu les sables bleus là. Enfin. Ceux qu'on fait que affronter depuis le début là. Alors, est-ce que par ici, il y a des trucs? Entrer dans l'orbite. Ah, j'ai déjà mis des trucs ici, c'est ça? Oula. Attends, là, il y a une sonde à mettre. Peut-être pas mal. Oui, on est ici, ok, oui. On est à côté de... Là où il y avait le purgatory. J'ai combien de carburant? J'ai tout qui est bien. On va acheter des sondes. Hop. Et on va aller... Alors, protéger les marchandises de contrebande, ok. Explorer le site du crash de Normandie, non. Enquêter sur le projet de suprématie, non. Recruter le chef de guerre. Ça, c'est la suite de l'histoire principale. Aider Zaïd. Là, il y a deux quêtes à faire. Je pense qu'on va faire ça. On va aller faire la... Parce que Zaïd, il veut nous aider, mais il nous a dit, avant de vous aider, il faut que vous m'aidiez moi. Du coup, on va faire sa quête avant qu'il nous aide, quoi. Enfin, ça me semble logique. On va juste scanner quelques planètes sur le chemin. Ouais, sur ton chemin... Peu abondante. Ok. J'ai pas vu qu'il y avait marqué en haut à droite si les planètes étaient bien ou pas. Bah peu abondante, il y en a quand même pas mal. 1000 d'iridium pour une planète, moi je trouve ça bien. Il y a même du platine. Voilà. On quitte l'orbite. Alors, on peut aller... Elista et des Aïe. Ah mais c'est loin. Ah c'est pas ici exactement, d'accord. Ah tous les systèmes comme ça n'ont pas un relais. D'accord, donc il y en a où je vais devoir me bouger moi-même. Ça c'est une petite planète ça, ça va être facile à scanner ça. Non? Abondante. Ah. Il y a plein de ressources ici. On prend parce que c'est très important apparemment. C'est pas le plus intéressant à voir mais on prend. Vecchio, c'est quoi? C'est une lune? C'est une planète naine? L'iridium, c'est bien l'iridium. J'adore l'iridium, dans 10 ans il n'y en aura plus. On va prendre un peu de platine aussi. Oula. Là. Voilà, ça suffira. Du coup, on va commencer par Fakir, MSV Rosalie. Ok. Oui, d'accord, donc oui, c'est comme ça que ça marche, très bien. On va commencer par le Fakir MSV Rosalie, là, c'est une quête annexe. Melilla. Est-ce qu'on peut balancer des sondes sur la Terre si on trouve la Terre?
serait trop drôle. On est bien là. On est bien. J'ai reçu un message. Ah, attendez, j'ai un message à écouter, important. D'accord, bon, je pensais que c'était un truc urgent, mais c'est un mariage. J'aime pas les mariages. Alors, blablabla. Je pense que c'est un truc comme ça, là, je l'ai coupé pour YouTube, parce que c'est un peu chiant. Après, il faudrait que je fouille dans la VOD pour savoir où est-ce qu'il y a des... Oh, wow, il y a un gros pic, là. Il y a un gros pic. J'arrive pas à le retrouver. J'ai vu un très très gros pic. Pas ça, hein. Bon, tant pis. Probe away. Ok. Bon, ça suffira. Zéona. I have detected an anomaly. Anomalie détectée, il a dit. Zéona retient une atmosphère ténue constituée de dioxyde et de trioxyde de soufre créée par des émissions gazeuses de volcans. Des poches de vapeur d'eau subsistent dans la troposphère, mais leur nombre de particules a diminué de 4% au cours des 5 derniers siècles d'observation. Universellement inhabitable, cette planète abrite néanmoins concentrée autour de nombreuses cheminées volcaniques des bactéries natives qui se nourrissent de soufre. Fait intéressant, ces bactéries sont génétiquement proches du biotope d'hélium. D'où les... D'accord, bon, ça a pas l'air d'être une planète ouf. On va mettre des sondes. Launching probe. Anomalie détectée. Ah. C'est bien les anomalies. Probe launched. Ah. Ah non, d'accord, il faut que je... Ok, d'accord, non, il faut que... Ok, là, elle est là, l'anomalie. Et du coup, il faut faire quoi avec l'anomalie? Lancer une sonde? Ok. Anomalie détectée. Les scanners ont localisé le véhicule d'exploration Hammerhead, ainsi que des sites de stockage de données actives qui pourraient nous en dire plus sur les recherches du Dr. Seis et... Oui, d'accord, oui, c'est les deux missions... Ok. Oui, d'accord. Ah, il faut détecter où se trouve la mission sur la planète avant de faire la mission. D'accord, très bien. C'est pour ça que j'avais... Ok. Alors, avec nous, on va prendre qui? On va tester Jack. Je sais pas si... C'est une bonne... Ok. Et on va prendre... On n'a pas pris Mordine avec nous. Toi, t'as quoi? Onde de choc, télékinésie, mission à distorsion. Pistolet lourd, fusil à pompe. Et toi, t'as quoi? Mitraillette, pistolet lourd. Oh, toi, t'es à distance. On va prendre Garus parce qu'il est à distance. Il nous faut quelqu'un à distance. Alors, moi, j'ai 2 points à mettre. Charge, ça me paraît bien. Et votre grand chemin est brièvement maintenu pour vous protéger des tirs. 40 mètres. Ah, ça change. J'aurai plus de mètres après. Non, ok, non, c'est... Ok. Ok. Puissance de bouclier. Ok.
Ok. On va augmenter la maîtrise du combat rapproché. Santé plus 15%. On va augmenter. Ah ben je peux pas. Très bien. Alors Jack, onde de choc. Des ondes de choc biotiques. Ok, ça c'est le même pouvoir que moi. Télékinésie aussi. Sujet 0. Augmente la santé de Jack et les dégâts infligés par ses armes et réduit la dédiciation de ses pouvoirs. C'est très bien ça. Munition à distorsion. Transforme l'énergie biotique appliquée en dégâts dévastateurs infligés sur la santé des blindages et les barrières biotiques. Ok. Ainsi les dégâts infligés sur la santé. Ok. Bon, ça fait plus de dégâts quoi. Alors on va augmenter déjà ça. De ouf. Hop, voilà. Je pense que là on est bien. Garrus. Bah j'ai oublié Garrus, c'est pas grave. Shepard. Ah du coup maintenant j'ai plusieurs fusils à pompe. Bah on va essayer celui-là. Mitraillette Locust, elle est très bien. Pistolet lourd, c'est bien. Et le projecteur arc, j'aime pas. On va garder le trou noir. Hein. C'est bien le trou noir. Fusil d'assaut, ok. Jack, canon à main, carniflex. Bon. Je vais donner mon ancien fusil à pompe à Jack. Voilà, let's go. Oula. Est-ce que... Non. Journal. C'est ça. Le projet Fakir de Cerberus rapporte la disparition d'un vaisseau scientifique à proximité de la planète Zeona. Donc c'est là où on est. À son bord se trouvaient des chercheurs, ainsi qu'un prototype de véhicule d'exploration planétaire. Cerberus aimerait que le véhicule et les recherches des scientifiques soient retrouvés. Rendez-vous sur Zeona et retrouvez le véhicule Hammerhead ainsi que des traces du docteur Seis et Holoy. Ok, il faut retrouver deux docteurs plus un véhicule. Je peux enlever les casques? Non, on peut pas. Et du coup, Garou, j'ai pas mis tes... Ouais, voilà. Rebelle Turien. On va augmenter sa santé. Hop. I don't think the ship is safe. We've run into the Geth far too often. I'm going to stay at the next site with Dr. Holloway. I think we'll be safer there. Ah, y a des Geths. J'aurais peut-être dû prendre. Ah ben non, j'ai plus Tali avec moi. Commande de l'ordinateur du suit. Un C. Hop, hop. Tac, tac, tac. Tac. Est-ce que prendre Jack pour une mission de sauvetage c'est une bonne idée? Non. Oh. J'ai un Mako! Wouah! Ouais, c'est le boost! Wouah! Ok. Mission objectives located. Quoi? Ah, d'accord. Acquired. Ok. Oh, c'est trop bien. Oh, le saut de fou là. Ouais, dur. On va passer par là. Est-ce qu'on peut accélérer en l'air? Ok. Ensuite. Il faut tirer, j'imagine. Ok. Maintenez L2 pour charger. D'accord, oui.
On charge. Est-ce qu'on peut sortir du truc? Non, on peut pas. Ah, j'imagine que ça va être juste une phase comme ça. Ça doit être un DLC, je pense. Je sais pas. Là-bas. Oh oh. Je suis en train de caler. Tout va bien. Est-ce qu'en bas il y en a d'autres? Je pense que oui. Ça m'étonnerait qu'il n'y en ait qu'un seul en bas. Là-haut il y en a un. On va monter par là. Ah mais c'est là où j'étais. Ok, c'est là où j'étais tout à l'heure. Ah ça marche pas. Ok, on va passer par là. Je préfère sauter, hein. Sauter ça me stresse moins. On va se taper des guettes là, c'est sûr. Ok. Un petit saut à faire là. Hop. Tout va bien. Ok, on a tout. Ah non, on n'a pas tout. Ah, il en reste un là-bas. Atteindre ça là-haut, par contre, ça va être coton. Non, on va passer par là-bas, ouais. Oula. On va passer par là. Par là. Tout va bien. Et par là. Ouais. Le dernier est là, parfait. Mission objectives completed. Ah c'est tout? C'est tout? Et le docteur machin là? Mais on peut pas les retrouver du coup les docteurs machin bédules là? Je suis sûr qu'on peut. C'est peut-être facultatif, mais je suis sûr qu'on peut les trouver. Ils ont juste fait une mission en mode lol, regardez, amusez-vous avec votre véhicule. En plus, il y a des tirs et tout, genre on peut tirer avec. Oh, c'est bizarre ça. Ça là, c'est quoi? Pas à l'intérieur? Non. Je peux tirer autant, il n'y a pas de combat avec ce truc. Bon bah. Ok. C'est bizarre. Ah non, il va y avoir une suite. Bah. Mais on a un véhicule. Ok. On a un nouveau véhicule.
Ou alors je pense que Cerberus va le récupérer. En opération. Terminer une mission de découverte en scannant un monde inexploré. Ok. C'est tout. Attendez, je vais chercher. Dégâts biotiques du jeu. Attendez, je vais chercher un truc. Mass Effect 2. Fakir Mission. Je sais plus le nom. MSV Rosalie, oui, voilà, c'est ça. Blablabla. Ce manquant sur place est au milieu des débris que l'on découvre le conteneur intact qui contient le véhicule. C'est le début de la prise en main du véhicule. Il faut aller à la balise et extraire les informations. Rien de plus simple, la mission est terminée en quelques minutes. Ah, et les trucs qu'on a scannés, ça va nous donner des pistes pour plus. Ok, là, si je parle par exemple, il va y avoir une cinématique, non? Absolument pas! Absolument pas! Ok. Fakir, station volcanique. Ah oui, voilà, si, c'est ça. Non, attends, c'était pas ça? Oui, si, c'est ça. Oui, voilà, ok. C'est ça, c'est Fakir. Les données révèlent que le docteur Seis s'est rendu sur Korang pour effectuer des tests sur des artefacts trouvés à la surface de la planète. En récupérant ces résultats, Cerberus pourrait découvrir sa dernière position. Ok, donc c'est loin. Ok. Et station volcanique. Les données trouvées sur Zeona révèlent que Seis a établi une station de recherche au sein d'un volcan actif sur la planète Karumto. Le docteur Seis est convaincu que le volcan renferme des ruines protéennes. Que son intuition soit bonne ou mauvaise, la station détient probablement des informations sur les activités du docteur. Rendez-vous sur Karumto, blablabla, et trouvez la station de recherche que le docteur Seis a établie au sein d'un volcan actif. Ok. Bon. On va faire la quête. Merci. Mon prototype retrouvé. Merde, je l'ai... Bon, c'était juste merci d'avoir trouvé le prototype, j'imagine. Vas-y, on va dire c'est ça. On va faire la mission de Zaïd, du coup. Le prix de la revanche. Avant que Cerberus ne l'engage, Zaïd avait accepté une mission sur Zoria, consistant à libérer une raffinerie d'Eldfell Ashland des Soleils Bleus. Ouais, c'est eux, là, j'aimerais bien avoir plus d'infos sur eux. Une fois le travail terminé, il pourra se concentrer pleinement à votre mission. Eh ben, rendez-vous sur Zoria et atterrissez près de la raffinerie d'Eldfell. Ok. Eh ben, let's go. On est juste à côté, donc on va le faire. Là-haut. J'espère juste que j'ai assez de carburant. Oui, large. On y va. Hop. Zoria, aidez Zaïd. Oh, il y a une toute petite planète, là. Oh, c'est quoi ce truc? Une petite planète tellurique criblée de cratères. 2000 km de rayon, putain. Ben, ça va être facile à scanner, du coup. Abondant. Oui. Probe away. Blablabla. Ici, je veux bien un peu de d'iridium, ouais. Ah oui, abondant. Abondant. Oula. Ouais, ça suffira. Ça suffira. Du coup, Zoria. Boue, sueur et sport. C'est ainsi que les soleils bleus définissent la planète sur laquelle ils ont établi leur QG. Ce monde Éden luxuriant est réputé pour sa végétation dense et ses innombrables champignons. Ceux-ci ont trouvé lieu à des jungles spectaculaires qui recouvrent la quasi-totalité de ces 8 continents. Malgré les problèmes récurrents de rouillure et de pourriture que l'on peut rencontrer sur ces planètes, Zoria attire les investisseurs et les entrepreneurs de toute la galaxie car elle n'a exploité qu'une faible partie de ses ressources. Les soleils bleus sont chargés de la sécurité sur la planète, si bien que les habitants les voient plus comme un régime tourné vers la conquête que vers le monopole. 148 millions de personnes, ah ouais. Eh ben, let's go. Bah, c'est Zaïd, du coup, qu'il faut prendre. Ah ben, on est obligé de le prendre, d'accord. Et on peut prendre quelqu'un d'autre avec nous. Zaïd, il dit quoi, déjà, comme... Fusil d'assaut, fusil de précision, il est à distance.
tir persécutif, munitions anti-grave. J'ai envie de prendre Ah, je sais pas. Peut-être Jacob, on l'a pas pris depuis. Télékinésie. Munitions incendiaires, barrière. En plus, ouais. Mais après, c'est des soldats. En fait, enfin, lui aussi, c'est un soldat, du coup, au final, non ? Oui, voilà, c'est juste un soldat. On va prendre plutôt soit Mordine. Ouais. Garrus. Ils sont perforants, tir persécutif. Après, Garrus, il est aussi à distance. Je pense qu'on va. On va prendre Jack. Hein. Parce qu'elle a pas eu le temps de briller dans l'autre mission, vu que c'était une mission véhicule. Donc, ouais. Hop. Ça, du coup, oui. Mission cryo. Non, je veux économiser pour acheter autre chose. Toi, c'est bon. Et toi, c'est quoi qui change, là? Un fit des gars... Ok. Ah, c'est bien, ça. Vas-y, go. Hop. Zaïd, puits de précision, j'en ai qu'un. Ça, c'est bon. Et les deux autres, c'est bon. Et c'est parti. Tapping into Blue Sun's communications. Stay tight and look out for ambushes. Okay. Okay. J'ai pris mon trou noir. Ouais, parfait. Changing weapon. Changing weapons. Il me fait trop penser à Rambo, Zaïd. On a pas la carte de l'endroit. Hein. Ouais, c'est... Ok. Mais du coup, j'ai envie de tout explorer. Mais il faut pas. Enfin, si il faut, mais... We got him. Squad Bravo, a shuttle landed near your location. Check it out. Mm-hmm. Here we go. Keep close. Cadavre. Pas ouf les cadavres. Shot in the back and left to rot. That's definitely Vito's style. Let's push ahead. Mm-hmm. Mais du coup, attends. Libérer une raffinerie. Ouais, c'est tout ce qu'on sait. On sait pas qui est Vito. On sait pas. Ok. Même dans son dans ses dialogues là au vaisseau, il en a pas parlé de Vido. Il est trop mignon lui. Oh, on dirait un masque. On dirait qu'il a un masque à gaz un peu. Hop. Ah, t'as pas eu ton dîner, désolé. Là, c'est à ce moment-là qu'ils se sont dit, vas-y, les planètes, il faut les rendre un peu plus vivantes, on va créer des petites animations comme ça. Ah. Oh, 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 oh. Tout va bien. Ok, ça, c'était Jack. Ouh, tout va bien. D'où celui qui tire là? Ouais, tête chercheuse ensuite aussi tes missiles. Ah oui d'accord, je le voyais pas. Il a la même couleur que le fond, du coup je le voyais pas du tout. Wesh, il a l'ultra instinct ou... Euh...
C'est vrai qu'il y a des munitions dans ce jeu. Quoi? Ah, c'est d'accord. Oui, je me suis j'ai utilisé mon pouvoir au moment où une roquette m'a touché. Très bien. Oui. Pas très intelligent. Ok. Et c'est vrai que j'ai changé ma grenade. Ça, c'est quoi que j'ai mis comme pouvoir ici là? Ah, l'onde de choc. Ok. Lui là. Puis on va passer par là. Tac. Oh. Passe par dessus s'il te plaît, merci. Ah, il a pas cru, il a pas craint. Ouais. Attends. Ah, c'est parce que je suis pas en face de la télé. D'habitude, je suis en face de la télé. Là, je suis pas en face de la télé. Au pire, j'ai mon truc à trous noirs. Hein. J'utilise pas les. Ah oui, c'est vrai, j'utilise pas les pouvoirs des autres là. Parce que du coup, attends, ils ont quoi comme pouvoir? Télékinésie, onde de choc, ok. Et toi, munitions anti-gravité, tir persécutif, ok. Moi aussi, j'ai des munitions installées. Voilà, au moins de cette personne. C'est bon. C'est bon, tout va bien. Là, il arrive ici, on connaît par cœur à force. Oh, eux par contre je les aime pas. Tout va mal. Ah oui, il a un bouclier, d'accord. C'est vrai que putain, ils ont un bouclier, nos pouvoirs leur font rien. Et du coup là si je le touche, est-ce que d'ici ça touche? Ok, ça touche. Très bien. Le sniper me... Il s'est explosé tout seul, je crois. Le sniper me manque quand même de Mass Effect 1. Le fait de one-shot tout le monde à distance, c'était un peu jouissif. Mais là, vu que le gameplay, il est beaucoup plus... Je crois que c'était des escaliers. Beaucoup plus nerveux, c'est cool. Alors, bonjour. This is Commander Santiago. If any of you retreat while the intruders are still alive, I'll kill you myself. Now get the hell back out there. Vito, sounds like he hasn't changed. I get the feeling you have a past with this, Vito. I knew he was a sadistic bastard back when we started the Blue Suns. The Suns only got meaner after he staged his little coup 20 years ago. So yeah, we have a past. Du coup, c'est lui qui a créé les Soleils Bleus? Why didn't anyone tell me you founded the Blue Suns? Because it's not common knowledge. Vito wiped me out of the records. He ran the books, uh-huh. I led the men. Worked real well for a while. Then Vito decided to start hiring Batarians. Cheaper labor, he said. Goddamn terrorists, I said. Au début, ça fonctionnait parfaitement, mais très vite, Vito a décidé d'engager des Batariens. Okay. 20 years is a long time to hold a grudge. A grudge? Vito turned my men against me. He paid 6 of them to restrain me while he put a gun to my head and pulled the trigger. For 20 years, I've seen that bastard every time I closed my eyes, every time I sighted down on a target, every time I heard a gunshot. Don't you call that a goddamn grudge? Attends. 20 years. A grudge? Vito turned my men. J'étais 6 d'entre eux. Ok, pour m'immobiliser pendant. For
Est-ce qu'on les reverra, ces six types? C'est ça que je voulais savoir. Jack, il s'est pointé derrière en mode... Hein? Il y a du drama. You survived your ship getting disintegrated. A stubborn enough person can survive just about anything. Rage is a hell of an anesthetic. OK. We better get moving. They're at the southern axis. All squads mass at the gatehouse now. They know we're here. Ah bon, bizarre. Bizarre de se sentir repéré après deux fusillades. Palladium raffiné. Y'a rien d'autre? Non. Pour l'instant, je trouve que la squadmate la plus fun, c'est Kasumi. C'est vraiment... Non seulement elle est cool, mais en plus, ses pouvoirs, ils sont trop bien. Alors... Zaid Masani, you finally tracked me down. Vito. Don't be stupid, Zaid. I have a whole company of bloodthirsty bastards behind me, ready to kill or be killed on my command. Actually, take your shot. Give my men a reason to put you down like the mad dog you are. Again. What was that? Gone nearsighted, old friend. Burn, you son of a bitch. Ah bah. Bien wesh. You just signed your death warrant, Masani. Ah, il veut faire exploser toute la... Ouais. Opening the gate. Next time you're gonna blow something up, I want to know about it first. Ouais, il m'énerve là. Vito was confident, had a lot of men. Now he's lost the home field advantage. If we keep up the pressure, no way he's getting out of here alive. You don't make a move unless I know about it first. This is my mission. Remember that. I came here to kill Vito Santiago. If you want my help on your mission, you better make damn sure that man dies today. Si vous voulez mon aide, faites en sorte que cet enfoiré crève. Stick to the mission, Zaid, or we're gonna have a problem. I think maybe we already do. I want Vito dead, Shepard. Whatever the cost. Ouais, alors si tu veux me sacrifier pour que ton gars là il meure, ça va pas aller. Ah, j'ai plus de balles. J'ai déjà plus de balles. Oh oh. Oh oh. Alors mon problème dans les jeux comme ça où il y a des animations devant nous, c'est que je regarde tellement les décors que j'avance parfois à reculons et du coup il se passe des trucs derrière moi et je les vois pas. C'est mon grand problème. C'est comme ça que j'ai failli louper une mort très importante dans certains jeux. on vient d'où là? Oui, de là, c'est bon. Ah, je vois le choix qu'il va falloir faire. Vito's probably halfway to the shuttle docks by now. You're willing to watch these people die? Damn right I am. We stop to help these people and Vito gets away. And if he gets away, I'm blaming you. We're here to free these people. On reste fidèle à nos choix du début, hein. I knew this was a mistake. If we're gonna do this, we better get to it. Bon, ça va, au moins il me suit. Je pensais qu'il allait partir de son côté.
Ne traînons pas. Ensuite, il y a une cinématique de 15 secondes où elle regarde dans les yeux un mec au loin. Imagine que c'est par là. Tout va bien. Tac. Tac. C'est vraiment le pire mini-jeu de tous les temps celui-là. Je l'aime vraiment pas. Je préférais limite l'ancien. Le QTE. QTE à la con. Là. J'en étais sûr. C'est bon. Panneau de contrôle. Rediriger le carburant. Ah oui, d'accord, je le voyais pas. Quoi ? J'ai pas tout compris à ce que ça a fait, mais soit. D'accord, oui, c'est pas des. Oui. C'est pour sauver les mecs, c'est pas. C'est pas immédiat. Tuyau de générateur. Là, il y avait une porte, non ? Ok. Le système. Ah oui ! Pardon ! Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Hop. Au pire, on court à travers, hein. Je peux tirer dessus. Ok. On arrive, on arrive, on arrive. T'es bon, ils s'en sont sortis. Il m'a dit merci de la main, c'est bon. Ils sont pas totalement ingrats. On peut descendre là ? Ouais. Palladium raffiné, parfait. Objectif est par là, mais on va d'abord aller par là. Eh ben y'a rien. Très bien. Ah, une nouvelle arme. This looks interesting. M451 Firestorm. C'est quoi ? Utilisez. Ah, c'est un lance-flamme. Ouais, ça doit être un lance-flamme. Firestorm. Tempête de flamme. Donc, oui. Ils sont où ? Ah oui, d'accord, oui, c'est. Bah, après, oui, pourquoi pas. En vrai, pourquoi pas. C'est logique dans la mission. Vas-y, on va le garder parce que c'est offert dans la mission. Ok. J'aurai pas mon trou noir, tant pis. J'ai toujours pas essayé le fusil à pompe par contre. Après, j'ai pas trop d'occasion de l'essayer en même temps, hein. On va pas se mentir. Ah. J'ai l'impression que c'est un fusil à pompe à distance. Pas du tout. Pas du tout. Oh oh.
coup, fort les dégâts. Ok. Oh non, pas lui. C'est ça le problème des Vanguards. C'est vrai, j'ai d'autres pouvoirs. Et j'ai toujours pas pris l'habitude d'appuyer sur L1 et R1 pour utiliser mes pouvoirs. C'est ça qui me... Le mec, trop de mauvaise foi. Non, c'est juste que je pue la merde. Alors. J'ai 2-1. Ensuite, toi, 2. Zaïd, tu sers à quelque chose ici là? Oh. Le cri qu'il a fait lui. Je crois que je l'ai eu. Pas eu. On recule. Ah, tu l'as eu. Bah, bien joué. Excuse-moi de. Excuse-moi de pas avoir cru en toi. Jack. Putain, c'est vrai que dire Jack. Genre. Oh oh. Dire Jack, ça fait vraiment le vieux prénom. Le vieux prénom de bonhomme, mais dire Jack. Genre, c'est grave différent. Je saurais pas dire. Déjà plus de munitions. Putain. J'ai entendu des. C'est drôle ça. Ah, celui-là là. Hein? Ah non, d'accord, j'ai compris. D'accord, oui. Bon, on va pas le faire tomber sur nous, ce serait un peu con. Voilà. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Ah, problème. C'est vrai que ce pouvoir sert à rien contre lui. Et lui, ah, le long de choc aussi, ça sert à rien vu qu'il a de l'armure. Ah, j'aurais dû garder les wagons là pour lui. Tout va bien. Problème, faut partir là. Est-ce que ça tire de loin ça? Pas du tout. Ouh. Ok, c'est bon. Hop. Non, bon, parfait. J'avoue que pour cette mission, j'ai pris les deux personnages les moins loyaux. Genre Jack, elle veut juste tuer tout le monde, elle s'en fout de mes ordres. Et Zaïd, là, pour le coup, il a deux doigts de pas me suivre. Alors l'objectif est par là. Regardez s'il n'y a pas d'autres trucs. Récupérer. Des trucs à récupérer, c'est parfait ça. Une fuite d'eau ici, très bien. Et par là on peut pas y... Si on peut y aller. Hein? Ok, non, c'est juste pour que les ennemis spawnent. Mais pas à la vue du player, ça. Du joueur.
Pourquoi je parle en anglais? Putain, j'ai parlé anglais avec une personne ce matin, du coup, ça y est, j'ai mon cerveau qui est cassé pour le reste de la journée, là. Enfin, parle anglais. J'ai balbutié anglais, c'est pas pareil. Hello, yes, my dog is nice, yes. She's old. C'est... pas là? C'est pas là. Ah, j'ai pas vu la passerelle. Oh, oh. J'ai entendu des tirs, non? Non, très bien. Oh non! Ah! Ah, Zaïd va pas être content. Spartiate! Oh! Alors, le blindage de ton vaisseau spatial est un peu nul. Hein. Ah, il va se reposer. Just cost me 20 years of my life. Oula. Faut te calmer par contre. Ah. Oh. Ah d'accord, ok, je vois le choix. Soit on perd un membre de l'équipage déjà, soit on le sauve. Là, tu l'as cherché, mon pote. Je suis désolé, mais. Yeah, screw you. Now come on, get me out of this shithole. You put your revenge ahead of the mission. How can I trust that you'll be there when we need you? I'm doing what I was gonna have paid to do, Shepard. Just don't expect any more than that. Now stop screwing around. Let's go. Vous l'avez bien cherché. En vrai, après c'est le truc en couleur. On m'a dit que les trucs en couleur c'est toujours mieux que les trucs comme ça. Mais là pour le coup, là j'ai un conflit avec le jeu parce que je sais comment fonctionne le jeu, je sais que les trucs de couleur c'est toujours meilleur, mais moi j'aurais quand même fait ce choix là, donc tant pis pour le truc de couleur, je vais tant pis, moi j'aurais dit vous me devez beaucoup, ça fait un peu manipulateur, mais vas-y tant pis. You know that's not gonna happen. You're a badass, Saeed. But remember who you're talking to. You've got a hell of a set, Shepard. Maybe you can pull this mission off. This thing with Vito isn't over. But all right. I'll leave it aside long enough to see your mission through. Let's get back to the ship. I need a drink. Voilà. Et du coup, le vidéo, là, on va le revoir, j'imagine. Ok. La raffinerie a été libérée, mais l'entreprise devra dépenser des millions pour la reconstruire. La survie de Vido frustre et énerve Zaïd au plus haut point. Cela peut compromettre la mission. Pff, écoute.
faut faire du lose RP hein, aussi, comme je l'ai dit. Si on fait tout le temps que les bons choix et que tout le monde est bien, tout le monde est vivant, il n'y a pas de surprise après, donc c'est dommage. No messages for you, Commander. Merci, Kelly. Hop. En fait, j'ai l'impression que c'est un jeu où les choix sont trop évidents pour réussir à sauver tout le monde. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Du coup, je me dis un peu de lose RP, c'est pas mal. Du coup, journal. Alors, on a fait ça. Il me faudrait qu'on aille chercher le Vrex. Pour moi, c'est Vrex. Du coup, je vais continuer de dire Vrex, alors que c'est pas Vrex, mais ouais. Il y a Vrex et enfin le Krogan. Il y a aussi la mission que j'ai commencé là, les trucs de Fakir avec le docteur Seis et je sais pas qui là. On va peut-être faire ça. En plus j'ai un lance-flamme. Ça c'est une bonne chose. Elista. Ça fait quoi si on est en panne, si on tombe en panne. Pourquoi j'y a pas de. Crozé, voilà. Si on tombe en panne de. Oh putain. Ok, ligne droite. C'est bon. Si on tombe en panne d'essence au milieu de l'espace... Merde, j'ai dépassé. C'est bon. Dépôt de carburant. On va faire le plein de carburant de suite. Avant de faire une bêtise. Ok. Ça, c'est pas exploré encore. Métaponto. Peu abondante. On va mettre une ou deux sondes. Voilà, ça c'est bien ça. C'est l'élément zéro qui nous manque. Alors, relais cosmodésique. On a recruté le chef de guerre, c'est la suite de l'histoire principale. Citadelle, c'est la citadelle. Secteur local. Protéger les noms, on s'en fout. Fakir. Ok, il y a deux fakirs. Il y a ici et fakir. Récupérer les données de recherche. Incursion gate. Oh. Après, ça peut être sympa de faire cette quête plutôt qu'en... Ah non, il y a trois fakirs. What the fuck? Collection d'artefacts. C'est quoi le... Il y a trois fakirs, j'ai pas vu. Ah non, mais ça aussi, N7, c'est aussi un truc du docteur Seis. Ok. Les analyses révèlent que le docteur Seis s'intéressait aux cycles climatiques anormaux de la planète Latèche. Il a placé des sondes à la surface de la planète dans l'espoir de trouver un lien avec ces phénomènes météorologiques et les études qu'il a menées sur la technologie protéenne. En récupérant les analyses de ces sondes, Cerberus pourrait en apprendre davantage sur les recherches du docteur. Ok. Donc là, c'est pourquoi la station volcanique, c'est pourquoi. Convaincu que c'est pour avoir des ruines protéines, ok. Les sites d'analyse localisés, c'est quoi? En récupérant ces résultats, Cerberus pourrait découvrir sa dernière position. Ok, bon, tout est important. Tout est pour apprendre, ok. Bon, on va faire... Merde, il faut refaire ça du coup. Hop. On va commencer... On va faire dans l'ordre de gauche à droite. Du plus proche au plus éloigné. Donc, collection d'artefacts. On va faire ça. C'est où? Ah. Short suite, c'est tout à droite. C'est loin quand même. Hein. Non, c'est bon. Ça prend 3... De faire de gauche à droite, ça prend 300 de carburant, il faut que je m'en souvienne. Hop. Alusa. Tiens, il y a une planète sur Stargate qui s'appelle Alusa, non? Il me semble. Launching probe. Dans Stargate, plutôt. Modéré. Probe launched.
Ok, blablabla. Bon. Alors, Korang. Bonjour. I have detected an anomaly. Anomalie, du coup, il faut détecter où est abondante. Bah, avant de scanner l'anomalie, on va plutôt chercher les ressources. J'ai bientôt plus de prendre. Ah oui, j'en ai 3 de prendre. De sonde là. Attends, juste à côté de la mission. Hop. Ah bah c'est bon, parfait. Les scanners ont découvert des lieux pouvant correspondre aux sites d'analyse décrits par le docteur Seyss. L'exploration de ces sites pourrait nous apporter d'importants éléments de réponse. Présence guette détectée, soyez extrêmement vigilants. Ah bah let's go. Et du coup, est-ce qu'on aura le véhicule ? Présence guette détectée. Du coup, il nous faudrait peut-être Garrus. Parce qu'il les connaît bien. Et déchirure, hein, en vrai. On va prendre Miranda et... Attends. J'ai un peu de mal avec sa tenue DLC, là. J'ai 4 points, parfait. On augmente la santé. Garrus, normalement c'est bon. Et Miranda, on va lui augmenter. On peut rien augmenter. Parfait. Miranda, c'est bon. Toi, c'est bon. Toi, c'est... non, ça c'est pas bon. On prend le trou noir. J'aime trop le trou noir. Du coup, on a un Mako. Enfin, un Mako. Un véhicule. Il y a des mines devant nous, non? Ah oui. Scanning for mission objectives. Ah, ça tire à distance? Est-ce que ça... Il me tire dessus? Il me tire pas dessus? Ah si. Est-ce que ça tire à... Genre... Merde. Ouais. Comment on tire? Ouais. Ok, c'est un peu à tête chercheuse. Ok. Mais c'est beaucoup plus maniable que le Mako, donc c'est cool. Il faut trouver des artefacts. Est-ce qu'ils sont indiqués sur la carte? Est-ce qu'il faut chercher bien? Est-ce que... Putain, c'est F0. Non, comment ça s'appelait le truc de voiture volante là? Ah oui, Wipeout. C'est vraiment un tir. Des chercheuses. C'est mon véhicule qui fait oui ou c'est parce qu'il y a un truc à trouver là? Non, c'est bon. J'ai cru que j'avais déjà plus de vie. Ok, un artefact. Hop. Oh, est-ce qu'on peut les pousser? Oui. Oh, le bruit va être chiant par contre. Warning. Get forces detected. Là aussi, il y a un truc à l'aider. Ah, mais tout est ici en fait. Ok. Oh putain, par contre. On recommence. Bing, bing, bing. Bah, c'est vraiment un tête chercheuse. Il est pas mort, lui? Ah, si, si.
c'est bon. Il est un peu rigolo ce Mako. Un peu. Là-haut, j'imagine. Comment j'étais censé. Ah oui, d'accord, oui, par là. Ok. On a pas de barre de vie, ça me stresse un peu. Ouais, t'inquiète, on va prendre ça et on part. Ah, je peux pas. Je peux pas qu'un des ennemis à côté. Et toi, je t'embarque et boum! Oh, le trickshot. Il est pas mort lui? On peut lui foncer dessus. Oh, il a tiré dans sa chute. Oh, Beyblade, hyper vitesse. Wow, wow, Beyblade. Attends, on apprend au guet à faire de la copora. C'est bon. La physique elle est rigolote. Je pense que c'est un DLC. J'aime bien ne pas savoir quand c'est un DLC ou quoi, mais. Je pense que c'est un DLC, du coup ce sera juste un véhicule pour ce DLC. Et du coup ils ont pas non plus peaufiné de ouf la physique. Attends, je suis arrivé par là, du coup ensuite ça doit être par là, non? Je suis arrivé de là là. Ouais, là on retournera là où j'étais tout à l'heure, donc il faut monter. Ouais. Tout va bien. Plus que deux artefacts. Il y a un truc à récupérer. Extraction complete. C'est pas moi qui bouge comme un zinzin hein, quand j'extrais des trucs. Oh, oui. Oh ah, je peux tirer où je veux tant qu'après je détecte quelqu'un, ça. On peut faire le tir de la feuille morte dans Olive et Tom. Ok, c'est pour le dernier missile. Blade. Putain, mais c'est un. Oh merde. Oh non. Oh non. Oh non 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 non. Oh non. Il faut pas faire le. Ok, on s'est amusé. En fait il faut pas s'amuser. Très bien. Ce n'est pas un jeu fun. Oh non. Ah les problèmes. Oh non. Oh les problèmes. Oh non. Oh là là, bon. Scanning for mission objectives. On vous là. Mission objectives located. On reste tout le temps. Allez, la speedrun. Bonjour, on se retrouve pour un speedrun, blabla. Alors regardez, là il faut faire des techniques, boum, il faut faire des petits sauts en l'air. Ensuite tu boostes, là tu sautes par-dessus ça, hop. Là il va y avoir des ennemis. On reste ici, comme ça on est intouchable. Et on fait ça, boum, 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 boum. Hop, on récupère le saut et au millimètre près, à la milliseconde près, hop, on ressaute et on tire. Ensuite, boum, 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 boum. Voilà, loupé, hop. Voilà, tuto speedrun. Ensuite. Acquired. Est-ce qu'on peut sauvegarder? Non, on peut pas sauvegarder entre les.
Peut-être ne pas mourir dans la lave aussi, ce serait pas mal, si c'est de la lave. Ah. Je pensais qu'il y aurait un tunnel sous ça. Ok, parfait. Bah go. Boum 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 boum. On le bourrine. Y'a pas de limite d'ici, j'ai l'impression, donc faut en profiter. Parfait. Parfait. Ensuite. Oh, j'ai cru que j'avais loupé. Boum. Et là, c'est le dernier combat qu'on a fait avant de mourir. Tout va bien. Alors, ne pas foncer dans les colosses. C'est vraiment du bourrinage. Mais c'était rigolo. Voilà, c'est bon. Il y a pas de barre de vie aussi, c'est ça qui est chiant. Là, il faut passer par là. Et boum. Alors, c'est là qu'on est mort. Ne pas faire de bêtises. On récupère ça. Boum, 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 boum. On va faire les coups de la feuille morte, hein. Bourrine, on bourrine, on bourrine, on bourrine, on bourrine. Get Prime. C'est lui qui m'a tué là. Boum. Boum. Ok, c'est bon. Destroyer. Ah, c'est peut-être lui aussi. Non, c'est bon. C'est bon, y'a plus personne. Ok, parfait. Bah, il faut monter, j'imagine. Ouais, le dernier est là-haut. Ouh, youpou, youpou, youpou. Ok, des quêtes avec des jetpacks. Ça, c'est nouveau, ça. C'est rigolo, en vrai. Ah, c'est un drone lance-missile, ok, je pensais que c'était des guettes avec des jetpacks. Ça aurait pu, ça aurait été drôle. Ok. Et ensuite, il faudra aller à droite. Extraction complete. On peut pas aller là-haut. Très bien. Eh bien, on prend de l'élan et... Ok, j'avais pas vu qu'il y avait une plateforme juste ici. Ça c'est bon, c'est bon, c'est bon. On reprend de l'élan et... C'est bon. Et là, je peux pas m'esquiver le combat, là. Là, il faut forcément bouger. Il faut juste deux colosses, ça devrait aller. Oh, j'ai tellement envie de leur foncer dessus. C'est moi qui fais bip bip. C'est bon. J'ai pas pu m'en empêcher de lui foncer dessus. Ben voilà. Mission objectives completed. Haha. Un truc caché ici.
Ok. Eh bien, on va partir. Bon, j'imagine que les fakirs, du coup, ce sera vraiment que des missions. On va pas faire toutes les missions maintenant, du coup, on va... Vu que ça va être trop redondant, hein, sinon, si on fait que ça. Artefact historiquement majeur récupéré. Position du Dr. Seyss non retrouvée parmi les données. Présence guette éradiquée dans la surface de la planète. Et j'ai eu 5000 platines, ok. Ok. Alors, ce qu'on va faire du coup, c'est. N7. Pourquoi il y a marqué N7? Je pense que c'est un DLC. Une station Cerberus de la planète AIT. Ma masse du Phoenix ne répond plus. Site du crash du Normandie. Ça, j'ai dit qu'on le ferait quand on aurait récupéré le crew de l'équipage du Normandie. Donc, Tali, Vrex, Lyra, peut-être. On verra. Une station Cerberus de la planète AIT. Ah oui, mais du coup, il faut réussir à partir, du coup. Parce que j'ai plus d'essence. C'est en bas à gauche. C'est bon. Dépôt de carburant, parfait. Et on va aller, du coup... En fait, j'ai pas envie de faire toutes les missions Fakir maintenant parce que ça ferait vraiment ultra redondant. Donc on va aller recruter le chef de guerre, je pense. Attendez, hop. Ok. Du coup, il faut aller recruter le chef de guerre, Corlus. Eh ben, on va faire la mission principale. Ah, je peux pas la scanner, celle-là. Un chaland en ordure doté d'un climat. Voilà comment un membre du conseil décrivait Corlus au tournant du siècle. Depuis lors, le syndicat d'initiative de Corlus s'emploie à redorer le blason de sa planète, mais en vain. Malgré une appellation plus clémente de centre de recyclage de la galaxie, des scandales de corruption et un taux de criminalité galopant ont à jamais terni l'image de Corlus. La principale activité de la planète est donc le recyclage et la mise en pièces de vaisseaux hors service ou abandonnés. Ah, c'est peut-être eux qui ont recyclé le Normandie. Si l'invention de l'omnigel a rendu ce procédé nettement plus écologique, il n'en demeure pas moins une industrie sale qui assombrit le ciel de Corlus et rejette des mégatonnes de ferraille. L'industrie hôtelière locale, plus que douteuse, est une sous-couche de la population. Une sous-couche de la population qui vit de et dans la ferraille parachève ce tableau de misère urbaine. Elle est dure cette phrase à comprendre. L'industrie hôtelière locale, plus que douteuse, est une sous-couche de la population qui vit de et dans la ferraille. Ok. Elle est dure à comprendre. Enfin, elle est dure à dire, mais elle est comprenable. Recommandation au voyageur. Corlus est classé deuxième des systèmes Terminus en termes de meurtre par habitant. Lourd. Première en meurtre d'étrangers, il est recommandé aux visiteurs d'employer des professionnels de la sécurité pour se rendre sur place. Alors déjà, on prend pas Jack. Ah purée. Est-ce que j'ai reçu... Attendez. Blablabla. Ok, alors atterrir. Qui allons-nous prendre? Alors ça va être des trucs Vrex, du coup. Alors quelqu'un de la sécurité, on va prendre Garrus. Hein. Garrus, et j'ai envie de prendre Mordin, même si... Enfin, par rapport au génophage et tout, ça crée un peu, non? On n'a jamais vraiment pris Mordin... On va prendre Mordine.
Ouais. Mordine. Le prochain Mordine pour les armes. Ok, santé plus, dégâts armes plus et bouclier plus. Ok. Ok. On va augmenter son incinération, je pense. Enfin, augmenter ça. Et Garus, il a pas de Ok. Mordine, c'est quoi tes armes? Pistolet lourd. Ouais. Enfin non, prends ton carniflex. Et ça là. Hop. Garus, toi t'es déjà bien. Et toi t'es bien aussi. Non, t'es pas bien. Il faut le trou noir. Voilà. Eh ben let's go. Bonjour, bonjour. J'ai fait la mission de loyauté de Zaïd. Et j'ai fait des missions, je pense, d'un DLC avec le Mako. Enfin, pas un Mako, mais... T'as compris. Loudspeakers. Someone likes the sound of their voice. Stay focused. We're looking for a Krogan warlord. Putain, je pensais que c'était vrai, que ça m'avait pas du tout. Comment ça s'est passé pour Zaïd? On s'est pas mal engueulé. Il est possible qu'ils soient restés sur la planète. Non. Il est pas loyal du coup. Mais je préfère ça que... Ouais. Il est pas loyal. Mais il est avec moi. Zut. Je sais pas si c'est possible de le laisser du coup. Je vais te le faire croire. Ah si, j'avais assez de conciliation, mais c'est juste que le choix me saoulait. Donc je me suis dit, vas-y, on va prendre le choix qui est peut-être pas bon, mais qui me semble meilleur. Et il peut mourir. Pour moi, j'ai évité ça. Ouch. Par contre, les dégâts, ça va, oui. Ouais, j'ai fait un peu du loser RP, mais j'aimais pas le choix, en fait. Donc je me suis dit, vas-y. C'est plus rigolo parce que prends tout le temps les bons choix. En fait, c'est ce que je disais. Si tu regardes la VOD, tu verras. Mais en fait, je crois que c'est Mordine. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi il est blessé? Genre, en fait, j'ai l'impression que c'est un choix où les bons choix sont facilement, on va dire, devinables. Du coup, parfois, je sais pas. Parfois, je m'écoute juste moi et je regarde pas la couleur des textes. Doesn't look that bad, actually. He doesn't need to know that. I knew it wasn't berserkers. Not at range. You're mercs or alliance. I'm not telling you anything. Mercenaires blessés, je savais que ça n'était pas des problèmes. Pas de distance, vous êtes des mercenaires ou des soldats de l'Alliance, je ne vous dirai rien. Du médicament contre des infos. En vrai, on disait hier avec Caro, il n'y a pas autant de loser-p que ce que tu penses. Ça risque de se retourner contre toi. Eh ben écoute, tant pis. Au pire, vous pourrez vous foutre de ma gueule. Ce sera rigolo. Jador hired him to make her an army, but the Krogan he creates are insane. So we use them for live ammo training. It's all crap. I don't get paid enough to goddamn bleed out. Outpost 4, Jador wants us to move. We need coordinates on that Krogan pack. I want your friends gone. Understand? Patrol, the last group dispersed. Lost sight 5 minutes ago. Là, elle a son pistolet sur contre ses couilles. Hein. Ça se voit pas, mais c'est pour ça qu'il accepte. You asked for a report. You got it. Dispersed. Understood. Returning to the labs. There. You see? I'm helping. Have you seen O'Kear? Does he know about all this? We can't go in the labs, but everyone sees what happens when the Krogan come out. I've shot hundreds. They're crazy, mindless. Anyone up there, they know what's going on. What is Jador planning to do with all these Krogan? Replace us, probably. I sure wouldn't want to see an army of them coming at me. Only she can't control them. They aren't supposed to be crazy, but they're Krogan. How smart are they to start?
Ok. Is Jador's lab heavily guarded? There are big guns to keep ships away. We're not outfitted to fight goddamn commandos. Un gros canon pour dissuader les vaisseaux, mais contre un commando, on n'est pas préparé. C'est un peu con. Mais ouais. If you start limping now, you might find a shady spot before you bleed out. C'est pas si libre que ça, wait and see. Adding insult to injury, literally. Necessary. Maybe not. Felt good though. Come on, our warlord is somewhere in Jador's lab. Training is part of your contract. Failure to perform means liquidation, legal and otherwise. Yeah. Hostiles, stay sharp. Okay. Du coup, attends, Morlin, tu bats avec des deux pistolets et toi c'est le sniper et le... Joue sniper, Garrus. Never saw me coming. Il est mort le deuxième ? Ah, il est là-bas, ok. Garrus ? C'est ton moment de briller, Garrus, là. Alors. Je pense que tu pouvais mieux viser que ça. Ah. Tout va bien. Boum boum. Boum boum. Oh 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 oh. Ok, ils sont beaucoup. Ouh. Oh lui il va être chiant. Ah je l'aurai jamais de là-haut mais... Quoique... Oh. J'ai bien visé. À peu près. Oh non. C'est bon. C'est bon. C'est vrai que j'ai des munitions à prendre moi. Hop. Et toi, c'est quoi tes pouvoirs? J'ai pas vu. Jet flamme et explosion cryo. Ok. Super ça. C'est la bonne ambiance sur cette planète. On peut le sauver? Il est pas considéré comme un méchant donc je pense qu'on peut le sauver. Ah c'est peut-être le docteur Morlus là? Non je pense pas. C'est bon. Krogan élevé en cuve. Salut. Pourquoi tu regardes mes seins? Like le plan était un peu bizarre. Kill, but you, something makes me speak. Night cycles. Seven days. They must breed them full size, ready to kill. Not much improvement over regular mercs if they need training. Bred to kill. No. I kill because my blood and bone tell me to. But it's not why I was flushed from Glass Mother. Survival is what I hear in my head. Against the enemy that threatens all my kind. But I failed, even before waking. That is what the voice in the water said. That is why I wait here. You're supposed to be part of a mercenary army. Do you remember Jador? I know that name. It causes anger, but also laughter. It is not a name that will be sung when we march. I don't know what that means, but I have heard it many times. Okay. How can you speak if you're only a week old? There was a scratching sound in my head,
and it became the voice. It taught things I would need. Walking, talking, hitting, shooting. Ouais. Then the voice said I was not perfect, and the teaching stopped. And now I am here. Interesting. Raised, then rejected. Control group? Failed test? I don't know, but I am not perfect. O'Kear's voice? Did he speak to you while you were in your tank? I heard the voice. Not like now, with ears. Inside. I called it Father. It like that. But it was disappointed. I'm not what it needs me to be. A breeding program. Okay. Trying to escape genophage effects? Escape. Escape was never whispered. Survive. Resist. Ignore. I destroyed Saren's cure. How does O'Kear expect these Krogan to ignore the genophage if not by curing it? Uncertain. Likely irrelevant. Appears O'Kear has had no success. Hmm. How did you disappoint the voice? I don't know. It was decided before I left Tank Mother. I was not perfect. If Mercenary was correct, Krogan prone to mental instability. I don't know of that, but I'm not perfect. Can you show me the laboratory? I need to speak with O'Kear. The Glass Mother. She is up, past the broken parts, behind many of you fleshy things. I will show you. Hmm. Glad he's friendly. You fleshy things are slow when big things are in your way. You could have run or tried to fight your way back to the labs. Why stay here? Est-ce que c'est lui notre nouveau squad mate? The voice told me, if they come, I fight. But I will not run, and I will not follow. I am not perfect, but I have purpose. I must wait until called, released. Mm-hmm. Okay, bah salut. Not a lot of room to maneuver. Stay short. Tout va bien. Oh, on dirait un visage ça. Horrible. Garrus, ton fusil de sniper dans l'intérieur, c'est pas ouf. Understood. Merci de m'avoir répondu. Oh oh. Ça aussi, c'est pas ouf. Il est où? Il s'est fait désintégrer. Ok. Ok. Keep them back. Incoming. Because I'm not ready. Hmm. Conteneur fragile. Ouh, d'accord. Là, il y a un truc. Kit médical. Ah. Ah. Hold fire, Shepard. Rigolo. Ah. Get ready for close combat. Down. Tout va bien. Grenade. Fire in the hole. Ça a servi à rien du tout. Wouhou. Moving in close. Ah. Oh oh. C'est qui tire là? Ah oui, d'accord.
Oh le robot, oh parfait, le robot était parfait. Ah ça fait pas beaucoup de dégâts en fait. Oh oh, à l'aide. Right behind you. Behind you. Can't target them. Ah bon. Ah ça fait vraiment pas de dégâts. C'est juste pour foncer en fait et les étourdir. Ça c'est quoi? Du platine, parfait. Oh non. Hop, hop. Le C. Merde, je sais plus. Oui, le C là. Hop, hop. FBI, ne pas tomber. Ok. I'll take it. Je l'ai pris pour moi? Non, oui, non, c'est pour oui, pour Garrus. Infirmerie, c'est parfait. Rien d'autre. Let's go. Ah aussi c'est des méchants du coup, oui. Tout va bien. There we go. Ouh. C'est bon. Ah. Il y a des coups de feu, ça craint un peu. D'accord. Right behind you. Bravo Garrus. Oula. Ah Garrus est mort. Ah fais une explosion cryo ici. Ok, et sur eux on va faire. Ouh. Tout va bien. Hop. Tout va bien. Ah mais il y a des boucliers lui. Ouais. Tout va bien. Oh il a pas eu. C'est bon. Ça va Marlin? Tout va bien. Tout se passe bien. PDA, karaté. Oh non, pas ça. Oh non, pas ça. Orange, un peu de bleu et un orange. Ça. Ensuite. Grand vide, violet, orange. Ça. Bleu, orange, bleu, vert. Gros orange, bleu, vert à la fin. Gros orange, bleu, vert à la fin. Gros orange. Bleu, vert à la fin. Gros orange, bleu, vert à la fin. Ça. Trop d'infos pour mon cerveau. 4000 crédits. Parfait. FBI. Call the trespassers. I'll deal with the traitors up here.
Il fait un peu mal quand même, celui-là. Ouais. Ils ont tous des armures du coup. Ah, parfait. Ah. J'ai tout mis à côté. Tout est... Ah mais Gary, c'est mort ? Ah merde, Marlene ? Par là. Ah, tout le monde est mort. Super. On va s'en sortir, on va s'en sortir. C'est bon. Putain, vous êtes morts l'un sur l'autre en plus. Ah, il y avait un kit médical à côté, j'aurais pu les soigner en fait. Ça, c'est le truc qui explose ou pas ? Non, c'est un extincteur. Ah. Bon. Je m'attendais à tout sauf à ça. Oh. Oh, un petit trou noir là. Oh non, non mais c'est cheaté. Ah le robot. Ils font mal en vrai hein. Oh, il a esquivé le... Wow. Bien wesh. Oh oh. Bonjour. Tout va bien. Tout va mal. Quoi ? J'ai perdu autant de vie rapidement ? Merde ! J'ai pas... En fait, on perd vraiment très vite la vie. Oh non ! Ça passe. Ah ! Oh, ça passe. La speedrun. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un speedrun de Mass Effect 2. Alors là, hop, vous avez un ennemi ici, vous mettez votre... Hop, voilà, un headshot, un deuxième, et un troisième, et un quatrième, et un cinquième. Voilà. Ensuite, vous mettez votre viseur là, vous lancez une grenade ici. Ça va rebondir un petit peu, mais ça va les toucher. Hop. Vous visez la tête, boum boum. Ensuite, la tête encore, la tête. Vous bougez pas, la tête. Là, il y a un ennemi qui va passer, c'est totalement prévu. Hop. Vos potes vont mourir, mais tout se passe bien. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est totalement prévu. Vous allez plus vite sans eux, de toute façon. C'est souvent Mordine qui meurt, donc c'est pas grave. C'est totalement prévu. Hop. Là, vous bourrinez celui-là. Hop. Ensuite. Parfait. C'est pas moi qui ai fait ça, mais parfait. Ensuite avec lui là, hop, mettez votre pouvoir de onde de choc, hop, vous faites du tir au pigeon et c'est parfait. Voilà, c'est comme ça qu'on fait du speedrun sur Mass Effect. Ensuite vous prenez le kit médical. Là vous avez plus de munitions, alors ce qu'il faut faire quand il n'y a plus de munitions, c'est que vous cherchez des munitions. Ou sinon vous changez d'arme. Tout va bien. Vous mettez votre curseur là, hop, une grenade. Voilà, parfait. Incinération sur lui, boum. Ensuite, boum, c'est parfait. Aïe. Puis vous lancez une grenade flash là-bas, hop. Oula. Parfait.
Après, s'ils veulent pas se montrer, c'est pas votre faute. Merci. Hop là, vous avancez, puis vous reculez parce qu'il y a des ennemis qui apparaissent. Pas du tout. C'est pas ici. Vous sauvegardez. Très important de sauvegarder. Oh, cadavre de soleil bleu. J'ai pas vu. Ah si, voilà, là il y a des ennemis qui apparaissent. Vous restez en retrait au pire. Hein. Vous envoyez Mordine là-bas. Hop. Ouh. Garus, tu restes là par contre. Je sais pas ce que tu fais, mais. C'est moi qui reste en derrière. C'est moi qui suis important. Hop, vous tirez de loin. Et hop, speedrun, c'est comme ça qu'on fait. Tu as bien appris, bravo. Merci, merci, merci. Là, vous mettez votre curseur ici, exactement, pixel près, et vous mettez une grenade. Regardez. Hop, voilà, ça les a tous fait partir. Pour éviter la grenade. Totalement, totalement prévu, comme ça ils vont là, et boum, ils se prennent toutes les explosions. Hop, ah, ils sont morts. Après, il y a eux là-bas, là. Bon, eux. Peut-être le mauvais timing pour utiliser le pouvoir, mais hop. Tout va bien. Mettez toujours vos amis devant vous. Ils sont des boucliers humains. Enfin, ouais, humains, vous avez compris. Des boucliers vivants, quoi. Hop. C'est la solution, pas du tout RP. Hop. Des munitions, je crois. Ouais. Hop. Coffre. Accumulateur. Ok. Et on peut avancer. Là, c'est la suite, mais ici il y a des trucs cachés. Genre ça. Oh non. Vert, bleu, orange. Vert, bleu, orange, dès le début. Vert, bleu, orange. Ensuite, bleu, blanc, orange. Oh non, bleu, blanc, orange, blanc. Voilà. Et ensuite, gros orange, bleu, orange. Gros orange, bleu, orange. Gros orange, bleu, orange. Ça. Non, il était là-haut! Il était là-haut! Orange, bleu, orange. Voilà. Tout va bien. Tout ça pour de l'argent. Alors évidemment, pendant les speedruns, il faut pas faire ce genre de truc. Moi, je le fais parce que je suis champion du monde. Du coup, même si je fais ça, je reste premier dans ma catégorie. Donc voilà. Sinon, il faut pas le faire. Vous le faites pas parce que vous êtes trop nul. Vous êtes beaucoup plus nul que moi. Du coup, vous aurez pas le temps de le faire sans chuter dans le classement. Mais moi, je reste tout le temps premier. Donc recharge, s'il te plaît. Allô ? Ils sont où les deux cocos là ? Ah, merci. Ah. Allô ? Eh bon, parfait. Fire in the hole. Tiens, y a des munitions là-haut. Ah. Ah, mordi. Tout va bien se passer, Garus, t'inquiète pas. Tant qu'il n'y en a pas qui nous fonce dessus, tout va bien.
Ouais, deux, c'est passé sous l'avant-bras de... Oh. Putain, Garrus, il est immunisé au missile, quoi. Meurs pas, par contre. Il a bien joué. Wesh, bon. Ils sont trop, là. Ah. Ah, d'accord. Not a problem. Ah. Garrus, tu vas aller là-haut, tiens. Ah. Problème. Bourrinez-lui, là. Oh, il est déjà mort. Ah, Marlin est mort. Super. Tout va bien se passer, tout va très bien se passer. Hop. Ah. Ah, tout va bien se passer, tout va bien se passer. Ils sont morts, eux, là ? Ah. J'ai mis dans le seul trou qu'il y a dans la map. Allez, 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 allez. Ah! Ça va, Garrus? T'inquiète. T'inquiète, tout va bien se passer. Tout va très bien se passer, Garrus. Balles. C'est bon. Ça va? Allô? 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 Ah, il y a quelqu'un d'autre. Allez, vas-y. On va s'ajouer RP. Oh non, c'est quelqu'un... Ah, ils sont deux. Problème. Pourquoi je fais le beau et je viens de voir tout recommencer, vous allez voir. Il est mort, lui? Ok. Lui a des boucliers. Ok, ça passe. Tout va bien. Bien. Attends, je recharge et je te tue. Merci. C'est bon? Et voilà, ils sont de retour. Alors, il faut savoir que réanimer les alliés, j'ai toujours détesté ça dans tous les jeux. J'aime bien finir une vague genre tout seul, en mode « tenez le coup, là, là. » Alors, c'est à gauche. On va aller à droite. Quitte à mourir et à recommencer, hein, mais écoute, ça fait du suspense. Par contre, les munitions là. Heureusement qu'il faut pas gérer les munitions de ses potes. Hein. Y'en a pas là? Ah. Et là? Non? Bon, ça devrait suffire. Let's go! Sauvegarder! C'est bon, on est arrivé, je crois. Bonjour. Shepard, don't shoot, you know me. Elle me dit quelque chose. Ah oui, le truc de la bombe. On lui avait dit de courir. Vermeer. I shut down the security cams as soon as I saw it was you. Never thought I'd say it, but I'm glad it's you shooting up the place.
Sorry, Rana Panoptis. You let me go when you destroyed Saren's lab on Vermeier. Had to outrun a nuke in a utility pod, but it's still a second chance. Le bot sait rien. J'ai dû faire la course avec un champignon nucléaire. Non, si, je m'en souviens. I assume you have a good reason for being at this lab. Don't worry, I'm not wasting the chance you gave me. My work here, strictly beneficial. Not for the Mercs. J'adore is on a standard power trip. But O'Kir is trying to do something good, even if his methods are a little extreme. Everyone deserves a second chance, right? And sometimes giving one pays off. I take care of my debts. What is O'Kir trying to do here? It's complicated. J'adore wants a private army, but O'Kir mostly ignores her. He's running the project for his own reasons. I created a mental imprint routine to educate his tank bred. Most don't get through it. He dumps them for some reason. He wants to help his people, but he's not looking for a genophage cure, and he's not going for numbers. That's all I know. Uh-huh. Finding you in a place like this makes me think letting you go was a mistake. You don't want that. We agree on that. Don't worry. I plan on staying as far away from anything to do with you as possible. Now, if you don't mind, I'm gonna run like hell before you blow the place or something. I know. Should have killed her. Too much knowledge without ethical boundaries. Ouais, Mordine, écoute. Pourquoi en français ils ont écrit O'Kir, H-O-K-I-R, alors qu'en anglais c'est O-K-E-E-R? Ça fait plus français. J'imagine. Oh non, pas ça. Oh non. Orange et une ligne blanche. Oh non, j'ai. Putain, on peut pas. Allez, ok. Ok, ça. Ensuite. Petit vert, bleu, orange. Non. Petit vert, bleu, orange. Petit vert, bleu, orange. Ensuite. Gros orange. Oh non, mais là, je suis bloqué. Je suis bloqué, c'est la tri. Non. Je déteste ce mini-jeu. Bleu, orange. Non. Bleu, vert. Bleu, vert à la fin. Bleu, vert. Une ligne bleue, une ligne verte. Une ligne bleue, une ligne verte. Ça. Tout va bien. C'est plus stressant que devoir choisir qui doit mourir entre Kaidan et Ashley, ça, putain. Aha! He's here! Bon, du coup, Rana, Raya, Raka, là, je sais plus, elle est partie, du coup. Ah, y'a un truc, là. J'avais pas vu. Bon, cette femme mourrait pas, hein. Here you are. I watched your progress. Ok. Aha. It's about time. The batteries on these tanks will not wait while you play with these idiotic mercs. You want to know who I am before you start making demands? I know you, Shepard. Your own demands will come, I'm sure. You weren't dragged back from death because someone needed a diplomat. Alors. Surprised. All Krogan should know you. I'm sure Rana has already revisited your actions on Vermeier. I'm sure you're eager to retell the story. Such a tale. Saren, the Spectre Traitor, threatens the return of the Krogan Horde by curing the Genophage, undoing the gentle genocide of the Turians and Salarians. But before Saren can deliver his endless troops, in rides Shepard, securing victory through nuclear fire. Magie de l'atome, nuclear fire, ouais bon. C'est poétique la manière de dire magie de l'atome, mais bon quand même. Je regrette ce choix, bah, je regrette oui et non, mais c'était nécessaire quoi. Enfin en vrai, ouais.
En vrai, c'est vrai qu'on aurait pu prendre le remède pour... Enfin... J'ai plus tout en tête, mais... Ouais. I didn't have a lot of room for finesse. If there'd been any other solution, I'd have considered it. Ouais. But I approve. Saren's pale horde were not true Krogan. Numbers alone are nothing. The mistake of an outsider. One that these mercenaries have also made. I gave their leader my rejects for her army. But she grows impatient. It's time for you to take me out of here. Okay. Personal issues irrelevant. Here for the collectors. I see. Yes. Collector attacks have increased. A human concern. My requests were focused elsewhere. Mm-hmm. I acquired the knowledge to create one pure soldier. With that, I will inflict upon the Genophage the greatest insult an enemy can suffer. To be ignored. Un soldat pur. Your search for the perfect soldier created a lot of failures. You don't care about them? I failed no one. My rejects are exactly what J'adore asked for. She simply lacks the ability to command. They are strong, healthy, and useless to me. Mm. I need perfection. If a few thousand are rejected, so be it. My work will purify the Krogan. We will not be restored. We will be renewed. T'as soigné tes cicatrices? Bah apparemment, à force de faire des choix, ça soigne, donc ouais. I thought the Krogan ideal was a return to the numbers that threatened the galaxy. We will not need numbers. My soldier is a template. It is a greater threat than all the phantom siblings that would have been at its flank. The galaxy still bears the scars of the Horde, but it will learn to fear the Lance. Hmm. What did you get from the collectors? I need whatever you know about them. They are strange. So isolated, yet very available when your sacrifice is big enough. I gave them mini Krogan. I may have information for you, but the tech was consumed in my prototype after I determined how to use it without killing the subjects. The deaths were unfortunate, but I only need one success to start the process. Mm-hmm. So you don't want to cure the Genophage? Contrary to what survivors claim, the Genophage does not produce strong Krogan. The only quality it filters is the ability to survive the Genophage. For every thousand stillborn, too many weaklings live. Every survivor is branded as precious. That's produced more cuddling than your collective human teats. Ah. I say, let us carry the Genophage. Let a thousand die in a clutch. We will defeat it by climbing atop our dead. That is the Krogan way. Your methods are extreme, but you know how to deconstruct a threat. Will you help us? Perhaps I can strike a deal to secure passage, but my prototype is not negotiable. It is the key to my legacy. Mm-hmm. Ah, ça va être lui, notre... Notre squadmate. J'aurais adoré que ce soit Ashley. Je sais pas pourquoi, mais... Non, Ashley a une mission secrète. She's that weak-willed. She'll kill my legacy with a damn valve. Shepard, you want information on the collectors? Stop her. She'll try to access contaminants in the storage bay. Mm-hmm. On fait moins le malin, hein. Now you know something? Don't jerk me around, O'Kear. I will give you everything I can. My legacy must not suffer this insult. J'adore will be with the rejected techs. Kill her. I will stay and do what must be done. Okay. Uh...
Aha. Oh non, j'aime pas ça. Hop. C'est écrasant. Hop. C'est... Et ça. Faut que je trouve des noms pour m'en souvenir, parce qu'à chaque fois, je... Je cherche pendant 2 ans, alors que... Alors, la bagarre. La bagarre. C'est parti pour la bagarre. Ah. Y'a pas la bagarre. Là y'a la bagarre. They've seen us. Ah. Ok. Garus. Ça va pas? Just the thing to help. C'est bon, tout va bien. Ennemi charging? Où? Ah oui, ça sort des cuves là-bas, ok. On peut casser les cuves ou pas? J'ai pas l'impression. Oh, guys, merci. J'ai vu un gros truc, j'ai pas envie de regarder ce que c'est. Ouh! Wouah! Ok, y'a un mecha. Le mecha. Ah, c'est la boss, ok. J'arrive pas à viser. Ah! Problème! Gros problème! Ok. Ok, problème. Problème, solution. Tirer. Problème, solution, ressusciter. Coucou. Ça a rien de casser ça, j'imagine. Allô? Merci. Ah. C'est bon. J'arrive pas à viser. Tout va bien. C'est bon. Oh oh. Merci. Est-ce que son explosion nous fait des dégâts du coup? Ok. Ouais. Ok. Hop. Ah là-bas. Touk. Wouhou. Alarms in the lab. What's that Krogan doing up there? Shepard, the lab alarms coincided with the system's failure. The remaining lab systems are unprotected, and I have gained limited access. According to lab scanners, the room is flooded with toxins and O'Kira's personal life signs are failing rapidly. I recommend haste. Ah! Ok. Ah, problème. Bah venez, merde. Problème. Ah, il va mourir, on va avoir son futur là. Grunt. Perfect. Okay. Ah. Why would someone so fanatical sacrifice himself for one Krogan? Delusional. Unlikely one Krogan, however strong, could have impact O'Kir wanted. Almost. Mon fils, ma bataille. Suggest leaving it.
Pourquoi? Afraid he'll make your genophage obsolete? No, but Krogan, genetically dangerous, socially dangerous as well, have enough enemies. Normandy, Okir is a no-go, but we have a package that needs retrieval. And he's a big one. On va le prendre. Pom. Ok. The Krogan facility makes sense, but I have concerns about waking it. Yeah, you've said that a few times now. A normal Krogan is dangerous. This one was created and likely educated by a madman. Quel enthousiasme! I see everyone's enjoying the new paperweight. Concerns? We don't know anything about it, Commander. C'est ça qui est marrant. S'il sort, on purge la soute. Ah ouais. Ah ouais. I know. You don't find that interesting? Krogan fight well at close quarters. Perhaps awakening him in a confined space wouldn't be prudent. Noted. The cargo hold is safe enough while I decide what to do with him. Hmm. Activez le Krogan. Décidez d'ouvrir ou non la cuve. Ok. Alors. Shepard, how can I help? Have you got a minute to talk? Perhaps later. Mm. Trying to determine how scale itch got onto Normandy. Sexually transmitted disease only carried by Varen. Implications eh? Unpleasant. Anything else? Quoi? I'll let you work. We'll be here if you need me. Il y a une MST qui... Ouais, j'ai déjà demandé amélioration. Et oui, je peux acheter des améliorations, mais... J'attends de voir tout. Quoi? Pourquoi? Non. Il est trouble, j'ai besoin de lunettes. So, Hadley, how are you gonna spend your next furlough? You really think we'll have another shore leave? Of course. Shepard's forming the best team this galaxy has ever seen. We're gonna kick some ass. I'm sure you're right, Matthews. Enfin, j'ai fait quelques améliorations déjà au début du... début de, du stream. Joker! Commander. I assume everything's going well up here? We're just having an argument over personalization of my workspace. Super's regulations are clear, Mr. Moreau. Personalization does not include grease on my bridge cameras. It's just mad that all its footage of me looks like a dream sequence. Drôle. What do you think about the people we're picking up? Well, about the ones you went out with last. Well, it seems like Garrus has finally worked that stick out of his butt, but now he's trying to beat guys to death with it. I can't believe I like the old Garrus better. No surprise, Morden acts superior to everyone, like he's got tenure at FU. It's just my opinion, though. There's really no need to go spreading it around. Ah, il parle pas de Jack et tout. For now. See you, Commander. Pourquoi l'homme trouble, ça commence la, la mission finale, ça y est? On a fini le jeu? Carte de la galaxie. Salle de briefing, bah c'est de là où je sors, donc hop. Attends, si le jeu est si court, par contre, c'est abusé. Hein. Là, ce sera abusé de fou. Quartier de l'équipage. Du capitaine, ok, de l'équipage. Ok. Alors. Thank you, Commander. Rupert put the new supplies to good use. Ok. Bonjour. Commander, what can I do for you? Ça on a déjà fait l'amélioration. Have a minute, Miranda. There's a lot to do, Shepard. Maybe another time. Hmm. Ok. I'll let you work. Of course, Commander. Gar- How can I help you, Commander? Tu m'as fait trop peur. Do you have everything you need?
Absolutely. Since you set up my kitchen with proper supplies, thanks again. I won't take any more of your time. Okay. Back to work. Shepard, need me for something? Have the Cerberus crewmen given you any trouble? I think being part of the team that took down Saren got me some points. Oui, on a déjà vu ça. Commander. We're all working together. Can it wait for a bit? I'm in the middle of some calibrations. Okay. That's all for now. Logging you out. Da-na-na-na-na-na. Bonjour. Ouais, non, c'est vrai que chaque fois j'essaie d'aller voir Liara, mais elle est plus là. Hop. Salle des machines, c'est là où il y a Jack et j'imagine que c'est là où il y a Grunt. Ah oui, la base était fermée avant. Le port cargo, ok, oui. Ok, ouais. Cuve d'incubation. Bah, let's go. The subject is stable, Shepard. Integration with onboard systems was seamless. Rien d'étrange. What can you tell me about this guy? Anything unusual? The subject is an exceptional example of the Krogan species, with fully formed primary, secondary, and tertiary organs where applicable. No defects of any kind, aside from the genetic markers of the genophage present in all Krogan. I cannot judge mental functioning. Okay. Can he see anything in there? Does he know where he is? Unlikely. Current neural patterns indicate minimal cognition. Barring ship-wide power loss, the nutrients in the tank could sustain him for over a year. Okay. Any idea how dangerous this guy is? He is a Krogan, Shepard. If you were asking whether he is actively hostile, I don't have the necessary data to answer. O'Kear's technology could impart data, not methods of thinking. The subject may know of his views, but would not necessarily share them. Okay. Bah... Vous voyez... D'ailleurs, attends, test. Droite, gauche. Droite, gauche. Enfin, j'ai inversé ma gauche et ma droite, mais ouais. Non, c'était pour le test, pour voir si le son est décalé. J'ai l'impression qu'il est un peu décalé. J'ai l'impression qu'il se décale petit à petit, en fait. Bizarre. Alors, ouvre la cuve. Let's go. Stand by. I'm gonna open the tank and let him out. Cerberus protocol is very clear regarding untested alien technology. Bah tu... He's either a powerful addition to the crew or a time bomb. I'd rather deal with it now. Very well, Shepard. The controls are online. The switch and consequences are yours. Le fiston. Bonjour. Ah! Human, female. Before you die, I need a name. I'm Commander Shepard, and I don't take threats lightly. I suggest you relax. Not your name, mine. I'm trained, I know things. But the tank, O'Kear couldn't implant connection. His words are hollow. Warlord, Legacy, Grunt. Grunt was among the last. It has no meaning. It'll do. I am Grunt. If you are willing, I am Groot. And prove your strength and try to destroy me.
You wouldn't prefer Okir or Legacy? It's short. Matches the training in my blood. The other words are big things I don't feel. Maybe they fit your mouth better. I feel nothing for Okir's clan or his enemies. I'll do what I'm bred to do. Fight and determine the strongest. But his imprint has failed. Without a reason that's mine, one fight is as good as any other. Might as well start with you. I have a good ship and a strong crew, a strong clan. You'd make it stronger. If you're weak and choose weak enemies, I'll have to kill you. Our enemies are worthy, no doubt about that. That's acceptable. I'll fight for you. I'm glad you saw reason. Offer one hand, but arm the other. Wise Shepherd. If I find a clan, if I find what I want, I will be honored to eventually pit them against you. Ok. Le Krogan, trophée obtenu. Nouveau copain. Bah salut copain, on peut parler un peu du coup? Shepherd. What are your thoughts about our mission? I fight. Doesn't matter who for. Did Okir give you any imprints about the collectors? I see blurry ships, guesswork about strength. Nothing to help pick a weak spot and tear. Okir spent all his time on old hatreds. Whatever he had, it was used up when he made me. Ok, le commando. What do you think about the crew? Good bunch if c'est plusieurs heures plus tard. Hein. Dead bunch if they don't. Train them good if you want to take on collectors. Some of these aliens are too smooth. Just checking in, making sure you're acclimatizing. Humans talk too much. Like the tank. Come back later. Ok. That's all for now. Shepherd. Ok, cool. C'est quoi ton point de vue d'ici là? Sacré point de vue. Ok. Et toi, t'as pas de truc dans ta chambre? Non, t'es pas un DLC, du coup, t'as pas de truc dans la chambre. Très bien, on a un nouveau copain. On va aller voir Jack. C'est vrai que dire Jack, ça fait un peu genre le prénom français de papy, mais dire Jack, ça fait plus genre Jack, 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 Jack. C'est pas pareil. Salut. Hey. On a déjà fait ça. Tell me about you, Jack. What are you up to? Still checking out your ship. Wouldn't mind putting her through her paces when you're not around. Éviter ce genre de vanne. I doubt Joker would appreciate that. At least not while we're working. Relax. Joyriding doesn't have the thrill it used to. Besides, if I wanted it, I'd take it. That's so. I've been around. Ran with gangs, wiped out some gangs, joined a cult. Kept the haircut. I learned how to survive and not be a victim. C'est quoi la secte? Hard to imagine you in a cult. That usually involves a lot of rules. I was looking for answers. Drugs and sex and going to a better place. A better place, right. Oh, t'es une hippie en fait. They wanted to take a colony, shake the suckers down to fund their spread. And guess who was their ace in the hole? They were just like the rest. Didn't give one shit about me. What'd you do when you found out? What do you think? Ouais. Vous êtes affreusement aigri. You must have met some good people too. Everybody wants something. And because of that, everything is fair game. Murder, assault, kidnapping, drugs, stealing, arson. Done it all. And that's the boring shit. Piracy, theft of military craft, destruction of a space station, and vandalism. That was a good one. Tu m'étonnes. Do you ever wonder if you could have done things differently? No. Shouldn't you? There's no reason I should be alive, but I am. You know why? Instinct. It's worked for me so far, and I'm not gonna change. Let's drop it, okay? Get back to whatever it is you think we can do. Hmm.
Ok. Ok, ok, ok. Alors, oui, du coup, il y a le monsieur trouble, là, le monsieur Panette qui est. L'homme Panette qui veut nous parler. Tellement zéro surprise que je l'aime. Ouais. Attends, il y a des trucs. Homme trouble, Shepard. J'ai appris que vous avez réveillé le Krogan du docteur Okir. C'est une dangereuse décision que vous avez prise là. Mais si vous pensez qu'il sera utile au sein de votre équipe, vous avez tout mon soutien. Nous devons nous tout mettre de notre côté pour gagner ce combat. Si ce Grunt venait à se montrer peu fiable et qu'il devait être abattu, conservez le corps précieusement. Il est partiellement conçu à base de technologie des récolteurs et des données génétiques pour nous être d'une grande utilité. Mais je répète, dans cette opération, c'est vous qui tenez les rênes. Ok, sans objet. 2, erreur expéditeur non valide. Ok. Hey Shepard, il paraît que c'est vous que je dois remercier de m'avoir sorti du purgatory. Vous avez envoyé un vaisseau me chercher, mais bon, on peut dire qu'il n'était pas au point côté vérification des armes. Plutôt que le mien, c'est votre nom que je vais graver dans sur ma prochaine victime en guise de remerciement. Vous aurez quelqu'un à proposer ? J'ai pas oublié que vous avez essayé de me tirer dessus au moment où je partais. Je n'ai donc d'autre choix que de vous tuer. Vous connaissez les règles. Mon père m'a toujours dit que si quelqu'un s'en prend à vous, il faut absolument lui envoyer un avertissement pour éviter qu'il se monte la tête et ne se croie tout permis. Mais bon, allez pas imaginer que c'est ce que je suis en train de faire. Alors à plus l'ami, et restez sur vos gardes. Les gens d'ici vont bientôt faire leur grand retour et vous n'allez pas être déçus. N'oubliez pas non plus de voir si vous ne trouvez pas votre nom sur un cadavre. Je ferai en sorte que vous le retrouviez. Que vous le trouviez avant de me retrouver en personne. Billy. C'est qui ? J'ai pas la ref. Attends. Il paraît que c'est vous que je dois remercier de m'avoir sorti du purgatory. Ah oui, non, c'est Jack. Oui. Mais attends, si, c'est Jack, oui. Je crois que bien, c'est votre nom que je... Oui, c'est Jack. Oui, ok, oui. C'était un prisonnier. Ah, d'accord, ok. Ah, il y a d'autres prisonniers, du coup, qui se sont échappés, oui. Ok, bon. Artefact, projet Fakir. Les artefacts que vous avez rassemblés nous mettront probablement sur la voie du... Ça, c'est les missions un peu nulles avec le véhicule. Mais non, mais jamais Jack, elle dirait ça. Oui, mais c'est pour ça que j'étais un peu en mode... Qui c'est que je connais du Purgatory ? Écoute Jack, mais j'avais oublié qu'il y avait d'autres prisonniers aussi qui étaient là. Pourquoi j'ai autant de pistolets mais je peux pas en utiliser autant. Oh putain Jacob, je suis désolé mon grand, je suis jamais venu te parler. À chaque fois j'oublie que t'es là. Oh je suis désolé. On va parler. Commander, can I help you with something? Oh je suis désolé. How are we doing, Jacob? What's your... Je l'ai vraiment oublié premier degré à chaque fois. Hold up, we've got a shot. If they don't, we're dead. Seems like that was always a strong possibility, though. Anything else, Commander? What do you think of the state of the crew? Yeah, unless all distractions are removed, loyalty to the mission will suffer. Run this team through hell, and all we're getting is burned. Anything else, Commander? Okay. I understand you made quite an impact after you left the Alliance. Le pauvre, oui. Like I said, it was... Je l'aime bien en plus. And got scouted by Cerberus. It took us out to the Nemean Abyss and back. Saved the Citadel from a Batarian bioweapon. The whole thing was hushed like they're good at doing. But I know what I did, and I'm proud of it. I'm more interested in just talking for a bit. If you want, Commander. Cerberus has ranks, but it's not the Alliance. No rules about fraternization. Your vote, your call. You want to get friendly with everyone? That's your business. Dites-moi si je dérape. You sound hesitant, Jacob. Am I putting you on the spot? You're trying to. Sorry if I knee-jerked. Cerberus puts a lot of suspicion in your head. I like you, Shepard. So talk. And we'll see how it goes. Ah. Alors, peut-être pas ce genre de relation où on se plaît, mais ouais. Anyone waiting for you back home? Only child and no extended family. Never settled down. Didn't seem fair with this job.
but you can't miss what you never had. Vous êtes célibataire alors? Miranda et vous? I know you and Miranda worked together. I got the impression it might have been more than that. It got a little close, then it got really far apart. The rest isn't your business, Commander. Ok, vous êtes libre. I trust you to keep everything professional, Jacob. Thanks. That always bugged me about the Alliance. They didn't let people handle their own problems. Cerberus isn't any better. They just put more effort into hiding how much they spy on you. Let them watch. We're not hiding anything. Wouldn't matter if we were. It's not like they can reel us in. We're handling this, whether they like it or not. Anyway, I should get back to prep. Nice talking to you, Shepard. Let's do it again sometime. Bon, pour une fois, c'est Shepard qui a posé des questions un peu salle de briefing. Non, il faut pas aller dans la salle de briefing, on m'a dit. C'est une mauvaise idée. On va finir, je pense, sur une quête annexe. Oui, l'homme panette va me parler, je sais. Parce que là, du coup, il me reste que rien. Enfin, oui, il va me dire la suite de l'histoire principale. Ah, je peux pas ? Ah, je suis obligé de... Bon, let's go. T'as par là. D'ailleurs. Ok. Alors. C'est un gros truc par contre. Ah bon, on va peut-être s'arrêter là alors, parce que la chaîne, il faut que je la sorte à 17h30, donc... je sais pas. Ouais. Bon, je vais m'arrêter là. Peut-être que je continuerai ce soir, je suis pas sûr, parce que demain, je commence à taffer, donc... je vais peut-être éviter les écrans ce soir, pour histoire de bien dormir tôt. Je sais pas. Je vais m'arrêter là, du coup. Ouais, mais de toute façon, ce soir, je pense pas. C'était cool. Sauf l'émission avec le Mako. Enfin si, en vrai le nouveau Mako il est un peu rigolo parce que tu peux faire des Toupies Blade avec les Colossus Gate, c'est très 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 rigolo. Mais sauf que tu vois pas ta barre de vie, du coup si tu les percutes, tu exploses et ça c'est pas ouf. Moi j'aimais bien, je fonçais sur les Colossus et ça faisait Blade et il tournait en rond et ça faisait bugger la physique du jeu et c'était rigolo. Mais oui, c'était un peu nul sinon. Voilà. Et c'est tout. Bref, à la prochaine. Du coup, à partir de la semaine prochaine, plus du tout de stream l'après-midi. Ce sera forcément le soir. Ou le matin. Je pense pas le matin, honnêtement. Mais je pense que ce sera surtout le soir. À partir de 19h, je pense. Je sais pas, on verra. Ce sera pas tous les jours. Donc, c'est début de. La vie active, c'est pas fou. Voilà, ce sera le message, la morale du jour, la vie active, c'est pas fou. Enfin, ça t'a de l'argent en moins, mais après, c'est pas fou. C'est métro, boulot, dodo, c'est pas fou. Bref, sur ce, à la prochaine, portez-vous bien, des bisous.